Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Oula, la voix qui est partie un peu en sous-doute à la fin. Et aujourd'hui, de retour sur le multijoueur pour tester cette nouvelle arme qui est arrivée. Je pense que c'est une arme que tout le monde demandait et attendait avec impatience. Nouvelle LMG, nouvelle sulfate, nouvelle batteuse, appelle-le comme tu veux. Mais ouais, il y en a une nouvelle, elle est arrivée. Bah écoute, je pense que ça manquait, c'était nécessaire. Vraiment, merci beaucoup Infinity War, parce que c'est vrai qu'au départ le jeu est sorti, il n'y en avait que 4. Et je pense que c'est quand même les armes que les gens préfèrent utiliser dans le multijoueur. Ils nous ont mis une 5ème lors de la saison 1, ça fait vraiment plaisir. Et là tu dis c'était un peu juste, voilà. Donc une 6ème lors de la saison 3. On espère vraiment que la saison 4 ils en mettent au moins 2 ou 3. La Bruen MK9 This Air Cooled Open Bolt 5.56 Light Machine Gun Feature Competitive Rate of Fire and excellente stabilité that will dominate the mean to long range battlefield. Donc voilà, c'est une arme quand même qui a l'air intéressante sur le papier. Du coup, pour la débloquer, il faudra compléter un défi, mais tu as une deuxième option, mais je vous mets à ta petite astérix, attention, tu as une variante qui est disponible dans la boutique qui s'appelle The Glitch. Si tu l'achètes, tu pourras jouer avec cette nouvelle arme. Mais attention, si tu ne possèdes pas l'arme de base que tu aurais débloquée à l'aide de défis, tu ne pourras pas la personnaliser, que ce soit en termes d'accessoires ou en termes de camouflage. C'est-à-dire que tu peux juste utiliser la variante telle qu'elle. Tant que tu ne possèdes pas la variante de base, tu ne peux absolument rien faire. Mais tu peux néanmoins jouer avec, débloquer de l'expérience et débloquer des accessoires. Juste, tu ne peux pas les utiliser. Donc bien évidemment, si tu veux personnaliser ta classe sur la Bruen MK9, il faudra donc compléter le défi. Qui est vraiment un défi, mais je me suis amusé comme jamais, c'était vraiment génial. Il faut réaliser 3 éliminations à proximité d'une fumigène, ça avec une LMG, donc n'importe quelle arme, que tu prends celle que tu veux, et pendant 15 parties. Ah, c'était vraiment un pur bonheur. C'était de la merde. Et c'était autant de la merde que ça que tu vois bien que le multijoueur est complètement pourri par ce défi qui a été créé, je pense, par un sadique ou un intellectuel, ou les deux, va savoir. Enfin bref, aujourd'hui, les lobbies, ce que c'est dans le jeu, c'est t'as de la fumigène partout, des mecs qui ont des sulfates et des thermiques. Sulfate, thermique, fumigène, et dans tous les sens, c'est vraiment exceptionnel, merci beaucoup. Voilà, je l'ai débloqué, et puis de toute façon, on va dire que la variante qu'ils te vendent dans la boutique, elle est pas si mal que ça en termes d'accessoires, puisque bon, moi, les sulfates, je suis pas vraiment très fan, parce que c'est généralement lourd, c'est pas tout. Et moi j'aime bien le gameplay un peu plus vivant. Donc du coup j'ai mis des accessoires dessus qui te permettent d'être beaucoup plus rapide. Pas de poignée pour viser plus vite. Enfin, je vais passer en passant les détails, etc. Mais voilà, le petit chargeur sur le côté pour aller vite. Sinon le chargeur de base, tu vois, c'est le gros chargeur. Non, j'aime pas. Je suis pas très fan. En gros, c'est plus trop une LMG, c'est plus une AR. Ok. Ok. Shipment, point stratégique, ça risque d'être folklorique. Oh là, oh là, on est déjà sur un streak, la partie est commencée. Bon, en même temps, là on va dire que l'objectif sur shipment, on le calcule même. Wouah ! Qu'est-ce qu'il voulait lui là ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Aïe 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 aïe, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Ça va être horrible, mais on va essayer de le faire. Oh non. Non non non, mais ils sont tous au bouclier. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Je vais pas tenir. Aidez-moi. Non ! Ah bah heureusement que j'ai 60 balles dans le chargeur. Oh, y'a un autre gars derrière. Ça respawn là. On recharge. Ouh, on débloque un camouflage. Je suis trop content. C'est le plus beau jour de ma life. Mais, ah oui, d'accord. Eh mais attends, mais avec les gars au bouclier qui... Ah, mais il est là. Il y a mes alliés qui sont là, qui peuvent pas. Je pense que c'est un truc. Ah. Attends, quoi? Mais c'est quoi ce délire? Non, mais arrêtez. Ah, tchoum! Oh! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, merde alors! Mais attends, mais j'étais en train d'avoir l'amusement de ma vie! J'étais en train de m'éclater! Mais pourquoi ça a quitté? Bah, comme par hasard, t'es là sur un jeu, t'es en train de t'amuser, là ça quitte! Ah bah, je sais pas, j'ai éternué, d'un coup ça a quitté! Bah, j'ai pas compris! J'ai pas compris ce qui s'est passé! C'est vrai que Shipment, bon, ah, c'est pas non plus la map que je préfère jouer! C'est vrai, Shipment ou Rust, t'as des bons souvenirs dessus, mais bon, Shipment, ils l'ont tellement changé que c'est pas possible! Bref, Shoot House, c'est bien! Shoot House, c'est très bien! C'est vraiment, s'il peut y avoir que Shoot House d'ailleurs, ce serait même très bien! ça serait mieux! Bah, allez, let's go, match à mort! Bon, c'est pas vraiment le mode que j'aurais choisi, mais bon, apparemment, on peut pas choisir grand chose non plus! Oula! Il est mort. I'm under attack. Nine. D'accord. Ah, ça va mieux là quand même. Petite quad fit broc en plus, tiens. Ouh,
dommage, j'étais bien parti là. Aïe aïe, j'étais en fire, en feu, comme diraient les Américains. Ah, ça respawn là-haut. Vas-y, go. Ah, mais. Il a rien calculé, le con. Hop là. Oh la vache. Et tu... Oh merde, tu sens quand même qu'avec la configuration que j'ai choisie, l'arme elle est vraiment mobile quoi. C'est pour ça que j'ai dit, t'as vraiment l'impression d'avoir une AR dans les mains plus qu'une LMG. Bon après, en termes de puissance, tu sens qu'à certains moments c'est un petit peu juste, mais bon ça passe quand même, faut pas non plus chipoter. Hein. Après je pense que c'est un peu trompeur à certains moments parce que tu vois que l'arme est quand même rapide, t'as une bonne mobilité, donc forcément t'aurais tendance à, je vais pas dire à l'utiliser comme une SMG, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... C'est un peu trompeur, parce que c'est vrai qu'après au corps à corps, on va dire que je pense pas qu'elle ait l'efficacité, elle a pas l'efficacité d'une SMG. Mais tu vois bien qu'en fait, c'est une bonne arme pour les mid-distance comme ça, parce qu'elle a une mobilité qui est très bonne sur cette configuration, et derrière ça te permet d'avoir une bonne stabilité sur mid-distance. Et je pense que finalement c'est une arme qui peut être intéressante sur ce combat là quoi. Tu vois ? À cette distance elle est bien. Et très bien même d'ailleurs. Oh là 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 là, gamin! Allez, on va faire le tour par la gauche. La vache. Allez, bouge. Allez, bouge. Recharge. Ces petits rechargements sur le côté comme ça, rapide, c'est sexy je trouve. Il y en a un autre derrière, je le sais. Je paye pas les balles. Mais non, il y a le Vito. Le Vito, n'importe quoi le gars. Ça s'appelle Vito, non? Je sais plus le, enfin le strict quoi. C'est que la voix off elle dit Vito machin dans les airs, un truc du genre, donc moi j'appelle le Vito. Hein. Bah le harrier quoi. Oh, y a des fois des. Oh là là. Allez hop. On paye pas les balles, on s'en fout. Eh ben oui. Oh Dave. Insane. Insane le troisième kill. Ah oh, voilà. Me reporte pas les gars, je hack pas. Oh là là. Elle est pas mal quand même à cette distance. Hein. En fait, tu vois qu'elle est super stable. Attends normalement. Y'a l'autre là. Ouais d'accord. Il fait chier avec son streak. Hein. Voilà. Attends mais on l'aurait perdu, j'aurais. Ah oui d'accord, on était que 3. On était que 3. On était que 2. Bon allez c'est parti les amis, on continue avec cette nouvelle LMG, la Bruen MK9. Et l'objectif, vous le connaissez bien évidemment. Tous les abobaoutés sur cette magnifique map vacant. En tout cas c'est l'une de mes préférées, donc ça fait plaisir de tomber dessus. C'est vrai que généralement on tombe toujours sur les maps de merde qu'on aime pas et rarement sur les maps qu'on aime bien. Enfin bref, allez, on y va. On espère que ça se passe bien. Oula. Ouais, il y a des gars dans le coin, je crois. Y a des gars dans le coin. Merci pour tes défis de merde avec la fumigène et la LMG, forcément. Oh là 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 là. Je sais. Ah, il est là. Il est là. Ok. Je sais pas où est-ce que ça va respawn, mais on va faire attention, hein. Oula, j'entends du monde là, j'entends du bruit. On arrive ici. Voilà. Allez, bouge. Tête derrière, non? Yes, derrière. Tête devant. Tête ici. Je ne sais pas. On s'allonge. Oula, c'est pas loin, c'est... Mais non, mais what, ils sont partout. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Ah, mais non, mais n'importe quoi. Oh, non, mais c'est génial, ce petit défi pour débloquer l'arme avec la fumigène et les sulfates, quoi, parce que forcément, ça pourrait pas du tout les lobbies. Je sais pas où est-ce que ça va respawn, mais je sens que ça va être le plus rig, cette game. Un gars là. Oh. Ok. Laisse-moi tranquille. Oh le con. Oh, attends, regarde la killcam. Mais c'était sûr. Mais quel est l'intellectuel qui a eu l'idée de faire ce défi-là pour débloquer l'arme sans plein. Le mec, il dit, multijoueur, c'est quand même de la merde. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de le rendre pire encore? Mais bien sûr. L'autre qui passe par derrière, de toute façon. Wow. Vraiment, il va falloir prendre sang froid pendant ce temps des défis, parce que sinon, ça va être juste très pénible. Très pénible. Toi je t'ai vu gamin.
Attends. Attends, viens là, viens là. Viens là. Tiens, tiens. Non. What? Il a quitté. Il a quitté la game. Quel enfant de... Peggy 18. Ah, c'est un pur bonheur. Un pur bonheur. Par contre, j'aime bien cette arme. Tu vois, j'étais pas si fan au début en disant ouais, ça sert à rien. Mais finalement, elle est pas si mal que ça. En tout cas, à distance, elle fait le travail. Hein. Travail à gauche. Wait and see. Ouais. Il va jamais venir, jamais il va venir. Tu le sais que tu vas pas venir. Il est venu. Il est venu. Oh là là, mais regarde-moi ça, je te l'ai volé. Mais non, je t'ai rien. Pardon. Oh, il est beau lui. Oh, il est beau. Oh là là, j'ai peut-être une quad fit. C'est possible. Attends, regarde. Vas-y, fonce sur les ennemis. Dites-moi pas que c'est pas vrai. My God. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Il a son camouflage en or, l'ordure. Hein, c'est-à-dire qu'il aime jouer comme ça, hein. Il kiffe, hein. Oh, grosse merde. Oh, oh que c'est bon. J'adore. Sympa, la communauté. Hein. C'est sympa. Je passe un bon moment. Bon, voilà, les amis, c'est tout pour ce petit gameplay découvert de la nouvelle arme, la Bruen MK9, nouvelle LMG de Call of Duty Modern Warfare sur cette saison 3 qui est gratuite pour tout le monde, qu'il faut débloquer à l'aide de défis bien sympathiques. Amusez-vous bien, les mecs, bon courage. Bon, bah, bref, c'est une arme qui, c'est vrai qu'au départ, je me dis, voilà, nouvelle LMG, ça sert à rien. Techniquement, c'est pas l'arme que je vais utiliser tous les jours. Mais finalement, en ayant la bonne configuration d'une arme plutôt légère, essayer de sortir un petit peu de la configuration lourde d'une LMG, c'est une arme qui est quand même assez intéressante. En gros, t'as vraiment l'impression d'avoir une AR dans les mains et pas une LMG. Et du coup, bah, c'est quand même assez plaisant. On essaiera de l'utiliser également en Warzone. Parce qu'après, tu sais bien, des fois, des armes en Warzone peuvent s'avérer plutôt sympathiques. Et si jamais on fait un top 1 avec la nouvelle arme, bah, ça rappellerait un petit peu à l'époque sur Fortnite et qu'il y avait une nouvelle arme, on essaie de faire un top 1 avec. Et finalement, bon, voilà, ces petites occasions, ça a toujours plaisir. Bref, en tout cas, les amis, voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. Donnez votre avis par rapport à tout ça. T'as kiffé, tu fais un plaisir. Et bah, c'est très simple. Un maximum de pouces bleus, de likes, c'est la récompense. À vous tous, je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée. Que du bonheur, que de bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.